Bonjour à toutes et à tous, ici Maxi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Wolf Among Us, donc ça doit être le sixième maintenant. Je m'excuse pour la dernière vidéo, il n'y avait pas de face caméra tout simplement parce que ma caméra m'a lâché, je ne sais pas pourquoi, elle a rien enregistré. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est un peu énervant, surtout que c'est une nouvelle caméra, donc voilà. Mais bref, donc on se retrouve pour l'épisode et on va tout de suite commencer. Donc voilà, c'est parti. Donc je fais cet épisode juste après le précédent. Donc on va rester sur le même format de 20 minutes, je sais pas si j'ai eu quelques retours ou quoi que ce soit. Donc voilà, on était dans le bar à la recherche de bûcherons. Examinons les choses, tout ce qu'il y a. Il y en a beaucoup des comme ça qui passent la porte. Ouais, ça s'appelle de la pub. Ce sera remboursé. Va te faire foutre. Désolée, c'est sorti tout seul. À qui est-ce ? À quelqu'un qui est parti. Quelqu'un comme le type que je cherche? Non, je vous le dis, je ne l'ai pas vu depuis plusieurs jours. Je suis sûre qu'il est là. C'est un habitué? Je ne sais pas de qui vous parlez. Celui avec le crâne rasé là-bas. Vraiment? Mais il y a une photo. Genre, au moins quand vous essayez de mentir, mais faites-le bien quoi. Et un peu de cohérence parce que c'est quand même... je veux dire, c'est débile. Laissez-moi résoudre ce mystère pour vous. Ce sont des œufs au vinaigre. Oh, je sais ce que c'est. J'essaie juste de comprendre pourquoi quelqu'un voudrait manger ça. J'avoue. Ça n'a pas l'air très bon. Bordel. Oh. Ok. Il y a beaucoup de tabourets ici. Si je m'assieds là-bas, je vais devoir hurler pour te parler. Et j'aime pas pousser des hurlements quand je n'y suis pas obligée. Vous avez l'intention de commander quelque chose ou vous êtes juste là pour ennuyer mes clients? Tu sais ce que je veux dire. Donne-moi une orbe de Midas. Oh. Vous voulez une rondelle de citron? Bien sûr. Je crois qu'ils en ont au bar en bas de la rue. Tu trouves ça drôle? Ouais, je trouve que c'est putain d'hilarant. C'était pas mal. Allez, j'ai pas envie d'être là, vous n'avez pas envie que je sois là. Plus vite vous répondrez à mes questions, plus vite je partirai. Oh. Ça y est, il va sortir. Il va sortir. Attention, 3, 2, 1. Hop. Oui, il n'y a plus de papier toilette dans les... Et voilà. Non mais ils sont vraiment débiles quand même. Cacher quelqu'un qui se cache pas, genre. Mon Dieu. Des gros teubés. Petite ou grosse commission? Pour ton bien, j'espère que c'était la grosse. Sinon, t'es probablement en train de chier dans ton froc en ce moment. Croyez-moi, ça a été comme ça pendant des centaines d'années. J'en ai marre de me battre.
et bien la bûche. Comme ça, on est... La bûche. T'as de la chance. J'ai décidé de changer de siège. On se met. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Je veux juste parler. Rien ne nous oblige à commencer comme ça. Il ne veut peut-être pas me parler. Pourquoi ne le laisse-t-on pas me dire? Voilà, exactement. C'est bon. Genre. Genre. Voilà. On veut pas le taper, hein. C'est drôle. Il y a quelques minutes, personne ne semblait te connaître. Ouais. Eh bien, tout le monde te connaît. Le grand méchant loup. Maintenant, c'est moi le sa type et tes shérifs. C'est quoi ce monde de merde, hein? Allez, la bûche. Tu sais pourquoi je suis là. Tu veux savoir ce qui s'est passé. Entre autres choses, bien sûr. C'est drôle. Tout ce que t'es prêt à faire pour de l'argent. Je suis passée devant sa maison pendant des semaines. Elle en avait pas l'air, mais elle avait de l'argent. J'en étais certain. Et elle n'aurait pas... Elle était obligée de se prostituer. J'allais là-bas. Genre. Et la nuit où j'ai enfin eu les couilles de le faire, t'es arrivé. Des putains de trucs pour moi. T'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Je n'étais pas là-bas pour la sauver. De quoi tu parles exactement? Je suis sûre qu'il n'est pas au courant. Sa grand-mère. J'étais là pour les voler. Ah, mais d'accord, oui. J'étais déjà là, dans le lit. Mais moi, je pensais qu'il parlait de Faye. Pour avoir une récompense. Mais elle en avait rien à foutre. Un tas de gens me prend pour quelqu'un que je ne suis pas. J'en ai profité autant que j'ai pu. Le seul truc que je j'ai pense qu'il n'a pas fait. Gratos de temps en temps. Ça fait beaucoup. Je pense qu'il n'est pas du tout au courant. As-tu tué Faith? Waouh, Faith, c'est qui ça? La fille que tu tabassais ce matin? Non, 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 non. J'étais là, je jure. C'est plutôt mauvais quand une fille qui vient de vous gifler est retrouvée morte quelques heures plus tard. Non, mais il l'a pas fait. Il sait pas. Elle est morte. Bigby, écoute, je suis un tas de merde, ok? Je sais ça. J'ai tabassé cette fille, c'est vrai. J'aurais pas dû, mais je l'ai pas tuée. Tu me crois, n'est-ce pas? Moi, je le crois. Ils vont me lyncher, Bigby. Comme tu l'as dit, ça se pressent mal, putain, même très mal. Mais j'ai rien fait. Il était là. C'est la putain de vérité, shérif. Non, mais moi, je vois. Hein. Bigby, s'il te plaît, tu veux pas. Ils vont me jeter dans le puits magique. C'est ce qu'ils vont faire et je n'y suis pour rien, tu le sais. Hé, hey, arrête. C'est pas ce que je veux. Et surtout qu'il a rien dit. Gueule, la bûche. Le problème ne vient pas que de toi. C'est au sujet de ce putain de clébard. Celui qui vient renifler dans les environs seulement quand ces enculés de riches des Sylves ont besoin d'un coupable. Pas vrai, Bibi? Tu tapes sur le mauvais gars. Si t'avais su ce que j'ai vu la nuit dernière, tu le saurais. Ce que je vois, c'est quelqu'un qui ne voudrait pas être ici si j'étais celui qui a besoin de la loi pour recevoir de l'aide. Mais il y a une meuf qui s'est fait tuer. La sœur d'Oli a disparu et personne n'en a rien à foutre. Paperasse, salle d'attente et cette salope de Blanche-Neige passant juste derrière moi, puis m'ignorant devant cette putain de porte. Je ne l'appellerai pas comme ça, c'est déjà arrivé et ça s'est mal terminé. J'avais pas réalisé que t'étais la pute de cette salope. Voilà, 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 voilà. C'est tout ce que t'as. Ça semble c'est bon, suffisant. Hein. N'en sois pas si sûr. Oh, bien. Super. T'aurais dû partir d'ici tant que tu pouvais encore. Mais en fait, il s'est vénère tout seul. J'ai peur à la dame. T'en fais pas pour moi. Oh, 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 pardon. Je voyais pas ce qui se passait. J'étais pas concentrée.
serait super. Très bien. Voilà. Ouh. Oh. Oh oh. Le loup, il est parmi nous. C'est clairement pas dans le rond, mais c'est pas grave. Ils sont vraiment très gentils. Ah mince! Je l'ai eu quand même? Ok. Ok, la tête, la tête. Très bien. Il en a eu assez. On s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. C'était juste pour qu'il arrête de me taper, voilà, qu'il se calme. On va pas aller, voilà, dans des extrémités, voilà, ils ont tous peur. En même temps, c'est lui qui l'a cherché, hein. Vraiment. Où est-ce qu'il est ? En plus, elle, je vois pas pourquoi elle s'est transformée en mode, c'est bon frère. Double. C'est pas la peine de faire l'effrayer, genre c'est lui qui l'a cherché à un moment donné. Il a prévenu, il était sympa. Enfin voilà quoi. C'est bon. Flemme. Envoie un rapport des dégâts à mon bureau. Fableville paiera pour ça. Mais la boisson suit aussi. Et le verre. Même pas. C'est le genre de traitement que je peux espérer si je te laisse m'embarquer. Mais non. Voilà. Eh, c'est lui qui a commencé. Tu l'as frappé le premier. C'est ouais. Faux. Mais il se comportait comme un. Si, c'est vrai. C'est qui? Oh, très bien. J'ai une centaine de dollars pour le premier mec qui peut me dire quelque chose sur une jeune fille nommée. Non, non, mais on suit lui. Je m'en fiche de bûcheron, il a rien fait. Putain, mec, c'est pas nécessaire. Bah si. Merde. C'est lui que tu veux, pas moi. Mm-hmm. Ton frère te sauvera pas cette fois-ci. Allez, t'es en état d'arrestation. Je te l'ai dit, j'ai rien fait. Alors tu n'as pas de quoi t'inquiéter. Voilà. N'importe quel truc stupide et je t'envoie moi-même dans le puits magique. C'est quoi cette histoire de puits magiques? Je pense que c'est grâce à ça qu'ils sont arrivés sur Terre, qu'ils sont partis des
quittent leur pays, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non! J'espère que c'est pas Belle, hein. Parce que clairement, Belle, personne n'y touche. C'est vraiment mon perso préféré, donc Belle, personne n'y touche. Oula, 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 ça va pas être beau, ça va pas être beau. J'espère que c'est pas Blanche. Ça peut pas être Blanche. C'est pas possible. Pardon. Mais... On avait quelque chose de très spécial. C'est... Où est ton frère? Va te faire foutre. Donne-moi juste une bonne raison de te dire quoi. C'est l'un des persos principaux. Un tueur en série. Oh. Oh non. Un tueur en série? Seigneur, et c'est l'un des nôtres. Le bûcheron se balade encore dans les rues. Nous devons étouffer tout ça. Si vous ne pouvez pas gérer, je trouverai quelqu'un qui peut. J'ai découvert où elle va. Je sais qu'elle est là. Vous devez l'avoir vue. Qu'est-ce que vous cachez tous les deux? Merci de n'avoir rien dit. Est-ce que ça compte? Tu veux peut-être juste punir quelqu'un? On peut arranger ça. Qu'est-ce que t'as fait? Ami contre ami, à la fin de la fin. Mon Dieu, Bibi, est-ce que c'est toi? Et donc il peut encore évoluer. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les choix du joueur. Dis-tu qu'il faut... Ok, 84 ont donné. Il n'y a que 20% qui sont restés en dehors de ça. Ok, on fait partie de la majorité des gens qui sont allés aider Todd au lieu de Lawrence. Ah, on pouvait... D'accord, si on était arrivé avant, on aurait pu... Ouais, tout le monde pense que c'est le Mac à peu près. Bah oui, non, mais c'est évident. Ok. Bon, et ben, écoutez, oula. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour le moment, parce que de toute manière, là, je vois qu'il reste que 2 minutes. Donc, c'est très bien. Est-ce qu'on peut passer ça? Donc, voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Par contre, je suis vraiment choquée. Je suis vraiment choquée. Ben, pauvre Blanche, c'est pas possible qu'elle soit morte. C'est trop, trop bizarre. Je m'y attendais pas du tout. Vraiment, 2 secondes avant, j'étais là, c'est pas Blanche quand même. Super. Donc, voilà. On verra la suite à la prochaine vidéo, au prochain épisode, dans une semaine, normalement. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. À commenter aussi pour me dire ce que vous en avez pensé, à partager la vidéo et rejoignez-moi sur Twitter. Voilà, je vous préviens quand il y a des vidéos qui sortent et tout ça. Et je crois que c'est tout, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!